Kate, j'ai décidé d'aller à New York. Il le faut vraiment, vas-y. C'est naturel qu'un homme ait envie de voir sa fille. Mais la fille qui vit sous ton toit, tu ne passes jamais deux minutes avec elle. Et tu seras sûrement pas accueillie à bras ouverts par cette garce de Maggie Lunel. M'en fiche, elle ne peut pas m'empêcher de voir Fauve. Je suis son père. Quelqu'un ne t'a-t-il jamais empêché de faire ce que tu voulais dans la vie? Le destin m'a empêché d'être heureux, comme tu le sais. Et cette fois, les choses vont changer. Tu ne crois pas que tu en demandes trop? Ne sois pas si brutal, Fauve. Keep it up! Excuse me, sir. Non, c'est rien. Dis-moi, tu sais qui c'est, ça? C'est moi, ça me ressemble bien. Et moi, sais-tu qui je suis, par hasard? Hein? On veut se réaliser, papa. Pauvre. Magali, regarde qui j'amène. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Bonjour, Maroquine. Tu n'as pas changé d'un pouce. Enfin, un peu mûri, c'est tout. Tu n'as jamais été bien galant, alors je t'en prie. Inutile de commencer maintenant. Fauve, ma chérie, sois gentille, veux-tu? Va dans ta chambre, ton père et moi, nous avons des choses à nous dire. Bien. Qu'est-ce que tu veux, Julien? Je veux ma fille. Je veux Fauve. Non. Mais enfin, c'est mon enfant, Maggie. Et tu ne m'empêcheras pas de la voir. J'aurai recours aux meilleurs avocats d'Amérique. Et moi, de France. Mais es-tu sûr que ce soit le mieux pour Fauve? Je ne te la demande que 3 mois, pour les vacances. Je t'en prie, envoie-la-moi en Provence. Et Kate? Franchement, ne me dis pas que tu la crois capable d'être jalouse d'une enfant. Détrompe-toi. Je la crois capable d'être jalouse de tout ce qui te touche de près ou de loin. Tu n'as jamais pu être impartiale envers Kate, Maggie. Kate est une femme envers qui il m'est vraiment impossible d'être impartiale. Si elle avait consenti à divorcer, tu aurais pu épouser Teddy. Mais enfin, nous serions quand même montés à bord de ce bateau. Qui d'entre nous peut se retourner sur son passé et savoir avec certitude de combien de signes notre destinée est faite? La destinée? Je ne m'attendais pas à entendre ce mot dans ta bouche. Moi, il n'y a que devant cette puissance que je m'incline. Tu ne te demandes jamais, au fond de toi, si tu as vraiment fait tout ce qui était en ton pouvoir. Tu ne t'es jamais fait de reproches sur ta conduite. Oh, des reproches, je m'en fais. Il n'y a pas de jour qui ne soit un enfer pour moi. À quoi bon parler de tout ça maintenant? Si je ne l'avais pas fait signe, si elle avait regardé où elle plongeait, si est un mot qui peut me rendre fou. Maggie, je suis quand même un peintre, et un bon peintre. Et ça vaut quand même la peine de vivre. Mais vivre accablé par le remords n'est pas ce qui changera les choses. Est-ce que je me trompe? Et voilà, on arrive. Tiens, regarde, c'est ta nouvelle maison. Celle-ci, la tour Hello? Oui. Que c'est joli, c'est tout fleuri, tout doré. On se sent bien là. C'est comme prendre le petit déjeuner au lit le matin. Ah, tu me ressembles, on est un peu fous, toi et moi.
rouge imaginaire. On va tous devenir de grands amis. Je peux me servir ? Mais bien sûr, ma chérie, c'est chez toi aussi maintenant. J'étais persuadée que tu préférais un hamburger. Une fois, j'en ai commandé un dans un restaurant français à New York, mais les Français ne savent pas les faire. Peut-être que pour des Français, ce n'est pas de la vraie cuisine. Oh, pas du tout, ils n'y arrivent pas. Encore un peu de confiture ? Tiens, goûte celle à l'abricot, c'est Marthe qui l'a faite. Elle fait toutes nos confitures. C'est un vrai régal. Marthe, vous êtes une bonne fée, comme dans Cendrillon. Bois un peu, fauve. Le lait, ça donne des forces et ça fait grandir. Je suis assez forte, je bats tous les garçons de ma classe. Oh, mais c'est une championne de catch. Oh non, je me fiche pas mal d'être championne, mais je n'aime pas qu'on marche sur les pieds. Vous êtes sûrement pareil en France. Bois, obéis à Kate, ma chérie. Maman ? Quelle petite peste. Tu sais, papa, je crois que Nadine ne m'aime pas. C'est possible, ma chérie. Comment je peux arranger ça? Viens là. Petit trésor. Il y a une chose très simple qui s'apprend très vite dans la vie. Personne ne peut être aimé par tout le monde. C'est impossible. L'important pour toi, c'est de savoir à qui tu accordes le droit de t'aimer. Ça alors, je n'ai rien entendu de plus comment dire... Incroyable? Oui, incroyable, c'est bien le mot, ça. Sache, ma jolie petite fleur, que les Mercuets sont tous des orgueilleux. C'est dans la famille. Avec ce superbe orgueil, un jour, tu feras souffrir plus d'un homme, crois-moi. J'ai pas envie, moi. Allez, viens, rentrons maintenant. Il commence à faire froid. Mais non, on voit bien que tu passes pas l'hiver à New York, toi. Non. Tu sais, j'ai encore une surprise pour toi. Chouette. Ça te plaît, dis. Attends. Maintenant, je vais te montrer la surprise dont je t'ai parlé. Regarde. Oh, papa, mon petit papa, ce que c'est beau. C'est magnifique, les trois petits cochons et Blanche-Neige. On se croirait dans un conte de fées. Le beau petit cheval. Tu sais, c'est moi qui ai spécialement fait ça pour le jour où tu viendrais. À l'époque, je ne connaissais pas encore ta frimousse, mais ce qu'il y avait dans ton cœur déjà, je le devinais. Je ne veux plus jamais vivre ailleurs. Parce que je t'aime. Bien, bonjour, monsieur Mercuet. Un Sinatra fantastique à New York. Tu le connais, toi? C'est quoi un Sinatra? Oh, papa. Hey, Julien! Oh, dis donc, voilà un revenant. Content de te revoir, Victor. Toujours en forme, parce que je vois. Mes amis, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de vous présenter à tous ma fille Fauve. Ah, c'est la petite de New York. Salut, ma mignonne. Vous habitez un beau petit village, vous devez être heureux dans ce pays. À condition que le soleil ne fasse pas défaut, petit. Le soleil, c'est vrai, mon père en met toujours dans les tableaux qu'il fait. Seulement sans soleil, il ne fera pas dorer mon raisin. Le soleil que je mets dans mes tableaux, lui, il embellit la vie, paysan. Oh, dis, Julien, tu te débrouilles pas mal à la pétanque. Alors, on peut de nouveau compter sur toi ? Faut que je vois un peu ce qu'est devenue l'équipe. Si vous méritez un champion comme moi, je ne dis pas non. Mais avant, ma fille et moi, nous voulons offrir une tournée générale. Ah, c'est gentil, ça t'aime. C'est un joli petit cabri, cette gamine. Eh, l'enfant de l'amour. Ça fera pas de mal un peu d'amour à la tourelle. Lui, c'est pas l'amour qui l'étouffait pendant la guerre. Qu'est-ce que vous en savez, vous, papé? Tu sais ce que les enfants regardent? Ils regardent la partie de pétanque. Pour gagner, il faut mettre sa boule le plus près possible du cochonnet, là, tu vois. J'étais très fort, moi, quand je jouais. Il va la satonner. Salut, Mercuès. Tu nous as laissé tomber, pourtant tu avais l'œil, mon salaud. Tu veux que je fasse une partie? Oui. D'accord. J'y vais. Ça paraît que c'est un bon, c'est moi, c'est le meilleur. Ah oui, c'est ça. C'est que ça fait des années, je suis peut-être un peu rouillé. Ça se perd pas, ça.
Vas-y, pointe, Mercues. Ah, je sais pas ce qu'il va tirer, là. Hein. Ouais, ah, c'est pas mal, mais ça se reprend, ça. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein, le gros, toi. Non, mais il s'est encore passé. Il s'est passé, là. Il faut mesurer. Allez, là. Là, tu me le remets. Là, là, tu veux, là. Là. Te presse pas. Te presse pas. Doucement. Viens vite. Viens, viens. Là, il peut me tirer. Tu sais qu'on l'appelait Brado. Eh ben, c'est bien. Attends, attends. Oh, ben, c'est pas vrai. La maille est gantin. Bon, allez, vas-y, pointe, pointe. Et tout seul. Qu'est-ce qu'il va mettre, hein? Il a du style. Oui. Il est en train de tirer. Il faut tirer. Regarde cette belle grosse pomme. Elle est presque vivante, non? Elle respire. Dis-moi, Faux, de quelle couleur est-elle? En dessous, oh, tout en haut, là où les rayons du soleil ne l'ont pas touchée. Elle est presque blanche, avec juste un peu de jaune autour. Bravo, c'est ça. Bien, et maintenant, dans cette partie un peu à l'ombre? Ben, pourpre, et je mélangerai du gris pour le bas. Très bien, chérie. Dis, quelle forme a-t-elle, cette jolie petite pomme? Moi, je la trouve pas ronde. Non? Elle est bien plus joufflue d'un côté, et en bas, elle est plate. Bref, elle est un peu piscornue, quoi. Tu as raison. Oh, fauve, ma petite fauve, chérie. Tu veux que je te dise, je suis sûr que tu as un œil de peintre. Oui, regarde. Tu vas poser ta main, là, hein, sur la mienne. Là, avec moi, suis comme une danseuse. Sans te laisser aller, quand même. Tu sais, l'important, c'est pas seulement de voir, mais aussi de sentir, dans les muscles, dans ta main. En fait, de sentir avec ton âme. Hein, suis, suis, encore. Encore, c'est amusant. C'est très important d'être fort, mais aussi de savoir relâcher la tension. C'est nécessaire pour peindre. C'est comme de la musique. Non, mais on dirait qu'on attend la reine d'Angleterre dans cette maison. Et c'est pareil chaque année. Marthe, je veux que sa chambre soit impeccable, sans un grain de poussière, c'est bien compris? Pour qui monsieur la prend-il donc? J'ai tout de suite vu que c'était une garce, cette petite américaine, moi, pourri gâté. Que voulez-vous, c'est sa fille, Marthe. Et nous ne l'avons jamais que 3 mois par an. Mais monsieur fait tous les ans son portrait. Ça va faire bientôt 10 ans que ça dure, madame. Ça fait 8 ans, Marthe. Je compte, vous savez. Le Mistral. Comme c'est romantique pour une Américaine. Nos avions, on leur donne pas de nom. Ce train porte le nom, paraît-il, d'un vent qui rend les hommes fous. Et voilà, tu sais pourquoi je suis fou. Tu te fais les yeux au mascara, maintenant? Oui. Je croyais pas que tu le verrais. Ça te plaît? Non. C'est superflu. Je te trouve plus belle sans phare. Mais je ne t'empêche rien, je m'en remettrai. J'ai survécu à 8 ans de mini-jupe. Et les petites bottes blanches de lutin. Alors le mascara, c'est de la petite bière. Quel philosophe et quelle patience tu as pour cette fille frivole. Sais-tu que tu es la seule personne au monde qui ose se moquer de moi? Ah vraiment? Même pas Maggie? Non, personne. Je dis bien, personne n'a jamais eu une telle audace.
Magali appelle ça chutzpah. Ça veut dire avoir du culot en hébreu. Avoir du culot, pour moi, c'est plutôt une qualité. Sans culot, on ne va pas bien loin. Où as-tu appris l'hébreu ? Avec Maggie, tu n'ignores pas qu'elle est juive et qu'elle est aussi ma grand-mère. Tu as un petit ami ? Non. Je ne suis pas assez romantique pour les hommes. Mais je deviens féminine. Cette année, je n'ai pas boxé mes camarades. Y a du progrès. Nous sommes au bord du précipice. As-tu la moindre idée du montant de nos dettes à Paris ? Demande donc à ton patron, le grand couturier d'Albin, une augmentation. Et puis remue-toi, va ouvrir la grille. C'est bien beau de gémir. Mais dis-toi bien que c'est grâce à mes relations que tu as la vie que tu voulais. Tu pourrais quand même lever le petit doigt de temps en temps ? Bon, tu n'y penses pas, il y a ma partie de polo. Ne rêve pas, tes petites parties de polo, il n'y en a plus pour longtemps. De tout mon cœur, j'espérais qu'ils ne viendraient pas. J'ai envie de vomir quand je les vois. Papa, Nadine est ta fille. Kate l'a eue par accident. C'est dommage, mais vois-tu, je n'éprouve que tristesse et indifférence pour elle. Mais c'est pas juste. Tu lui as jamais donné sa chance. Ma petite fauve, il faut que je t'explique certaines choses. Quand Nadine était petite, elle ne pensait qu'à ses toilettes, comme sa mère. Elle ne s'est jamais intéressée à ce que je faisais. Elle n'a jamais montré la moindre curiosité pour ma peinture. Et maintenant, elle ne voit en moi que l'argent. Elle me soutire. Allez, viens. Faut quand même y aller. Papa, Philippe et moi, nous devons garder un certain standing. Pourquoi ? À Paris, quand on est invité dans le monde, on ne peut pas se contenter d'envoyer des remerciements. Absolument, chérie. On ne coupe pas aux fleurs, au chocolat. On n'avait qu'à refuser les invitations. Si moi, je ne travaillais pas, nous crèverions de faim. Tu n'as pas idée des dépenses qu'on a. Je me demande ce qu'attend ton mari pour travailler, dans ce cas. Mais monsieur, ce n'est pas possible. Dans mon monde... Dans le mien, monsieur. Aucun homme ne vivrait sans vergogne au crochet de sa femme. Et dites-vous une chose. Elle ne vous entretiendra pas avec ma fortune. Mon Dieu, passe encore pour les insultes. Mais cette injustice, c'est intolérable, ma chère. Je n'ai plus aucune fortune personnelle. Julien s'occupe de toutes les questions financières maintenant. Il vous a offert un appartement à Paris, il ne fera rien de plus pour vous. Il pourrait quand même nous verser une pension, un avaloir sur mon propre héritage. Rien que chez le coiffeur, j'en ai pour des sommes folles. Je sais, ma chérie, mais un peu de patience. Tout ça ne durera pas si longtemps. Les peintres, les chefs d'orchestre, les romanciers, les compositeurs sont des bons hommes, increvables. Oui, mais ne te fais pas de soucis, c'est toi. Et toi seule, la fille de Mercues, Nadine. Que sa préférence aille à Fauve ne peut rien changer. Légalement, elle n'héritera pas d'un centime. C'est une enfant adultérine, cette petite. C'est simple. Oh, c'est chouette! J'ai jamais entendu une musique pareille. Une chanson, faut que ce soit romantique. Tu m'entends? T'es de mon avis, l'américaine? Est-ce que vous êtes bête? À New York, même les gamins de 10 ans trouvent ce disque complètement démodé. Ben, ils ne joueront sûrement pas des machins aussi dingues que ça à la salle des fêtes samedi soir. Tu viendras au bal avec nous, hein? Oh, vous avez tous des petits amis cette année, c'est différent. Oh, qu'est-ce que ça peut faire? T'en fais pas, il y aura toujours plein de cavaliers pour toi. Les choses ont changé. Non, rien n'a changé, Fauve. Depuis 8 ans, on était toujours fourrés ensemble, les trois grandes copines. Et puis là, bon, y a les garçons, il y aura bientôt les biberons, les couches, les landaux. Vous le savez comme moi. Une page est tournée. Je t'en prie, Fauve. Dis-moi que tu viendras danser. Entendu. De toute façon, j'adore faire tapisserie. We'll be right back.
Salut. Toutes mes excuses, messieurs, mais mademoiselle m'a promis toutes les dents sur son carnet de bal. Alors, carnet de bal, il a 3 siècles de retard. Laisse tomber. Allez, viens. Je m'appelle Eric, mais si vous préférez Roland, je serai Roland. Non, Eric, c'est parfait. Moi, je m'appelle Fauve, et voici mon ami Pomme et Laurent. Oui, moi, c'est Eric. Salut, Eric. Vous savez sûrement que vous venez de me sauver la vie. Et moi, je sens que la mienne va changer. Vous me dévorez les yeux. Et vous aussi. On ferait mieux de danser. Roland adore la valse. Et alors, c'est un ogre ? Non. Eh bien, allons-y. Fauve ? C'est toi ? Oui, papa. Bonsoir. Ah, enfin. Papa, voici Eric, c'est lui qui m'a accompagné. Eric, voici mon père, Julien... Oui, je connais Julien Mercues. Enfin, pourquoi les jeunes de notre époque ont-ils pris l'habitude un peu mufle de ne jamais dire leur nom de famille? Alors, Eric, comment? À Victor. Eric à Victor. Et le nom de mon père, c'est Adrien. Bonjour, chérie. Alors, finis vite ton petit déjeuner, c'est l'heure de ta leçon. Papa, je te l'ai pas dit, ce matin, je dois visiter les arènes romaines à Arles avec Eric. Quoi? Non, mais tu plaisantes, j'espère. J'avais réservé la matinée pour nous. Nous ne passons 3 mois ensemble, c'est peu. Mais papa, je sais, mais j'ai promis. Écoute, si tu veux devenir peintre, arrête de perdre ton temps à jouer les touristes. Mets-toi au travail. Combien de temps nous reste-t-il encore? Pas beaucoup. Fauve. Crois-moi, tu es bourré de talent, mais tu n'as pas de technique. Julien, je ne te trouve pas très raisonnable. Après tout, cette petite est en vacances. On ne peut pas travailler sans répit. Kate, fais-moi le plaisir de ne pas te mêler de ça. Ça ne te regarde absolument pas. La seule chose que tu puisses faire, c'est prévenir notre petit jeune homme que Fauve travaille à l'atelier et qu'il repasse en fin d'après-midi, d'accord? Et je t'attends. Non, papa. Non? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne veux plus peindre. Pas en ce moment. Je ne veux pas. Quoi? Non, je veux une explication. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, papa, tu te souviens d'été dernier ce qui s'est passé quand j'ai voulu faire de la peinture expérimentale avec toi? Oui. Tu n'arrêtais pas de me dire que j'étais contaminée par le milieu artistique décadent de New York. Oui. Alors tu m'as fait peindre des natures mortes, des portraits, des paysages. Et je voulais t'en parler à ce moment-là, mais c'était dur d'oser. Je voulais te dire que je ne veux pas peindre comme Mercues, parce que je ne suis pas Mercues, je ne serai jamais Mercues. Alors je me suis promise de t'en parler cet été. Ma chérie, c'est impossible que tu abandonnes la peinture. Tu es née peintre. Tu es douée, tu n'as pas le choix. Si, je l'ai. C'est lui qui arrive? Oui. Bon, tant pis. Vas-y, et amuse-toi bien. Nous en reparlons ce soir. Après tout, pourquoi prendre une décision à la minute? Je serai là pour le dîner. Au revoir, Kate. Au revoir, Nadine. Au revoir. Oh, bonjour, Eric. Bonjour, madame.
Pourquoi allons-nous à Cavaillon? Je croyais que tu voulais visiter Arles. Il y a quelque chose à Cavaillon que tu dois absolument voir. Qu'est-ce que c'est? Tu verras. Par les Juifs de Provence. Avoue que c'est magnifique. Incroyable. Tu ne sens pas toutes ces prières qui suintent des murs? Des siècles de prières. Ça, c'est l'arche où l'on enferme la Torah. Regarde, la chaise du prophète Élie. Je me demande combien de Juifs ont vécu à Cavaillon. Dans ce livre, ils disent qu'ils ont toujours été en petit nombre. On n'en a jamais recensé plus de 300. Tu as vu, il y a le nom des familles. En fait, ils portaient le nom des villes où ils étaient venus au monde, comme Digne, Monteux, Carcassonne. Regarde, Lunel. Oui, Eric, il y a sûrement une ville qui s'appelle Lunel. On devrait y aller. Oui, on ira tous les deux, Fauve. Je te le promets. Mais un autre jour, d'accord? Si tu veux. Et là, Victor? Eric, c'est ton nom de famille. Mais c'est merveilleux, ça. Moi, je trouve que c'est toi qui es merveilleuse. Je ne peux pas te dire à quel point ça m'a frappée. C'était une synagogue qui ressemblait à une salle de bal. Même Eric en était soufflé. Et pourtant, lui, c'est vraiment un crack en architecture. C'est fou le nombre de découvertes qu'il a faites pour moi sur l'histoire des Juifs de Provence. Merci. Les Juifs de Provence. C'est passionnant. Fauve, puisque de toute évidence tu traverses, disons, une phase que j'appellerais religieuse et qui n'est plus question de peinture, tu as dû visiter des églises, des temples. Pourrais-tu nous parler de ce que tu as vu? Nous avons des cathédrales superbes en France, vous savez. Mais papa, j'ai découvert que les Juifs de Provence avaient été persécutés il y a des siècles, qu'on les parquait dans des ghettos et malgré tout, ils aimaient la vie, ça se sent. C'est très bien, ces découvertes, mais j'attends la réponse à ma question. Qu'as-tu... Pourquoi n'as-tu aucune concentration quand tu peins? Tu devrais avoir le même enthousiasme pour ta toile que pour le reste. Je suis prêt à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire de toi un bon peintre. Mais merde! Je finis par penser que je perds mon temps avec toi. Mon Dieu, mais je croyais que tous les Juifs étaient à Paris. Une fois de plus, on repart les mains vides. Moi, je travaille. Qu'est-ce que tu fais, toi? Rien. Sais-tu bien que tu n'es plus de la première jeunesse? Ton charmant sourire, mon bon ami, ne suffit plus maintenant. Tu aurais pu te déranger pour leur dire au revoir, quand même. Tu veux que je dise au revoir à ce couple de vautours? Julien, Nadine et ta fille. Ton petit vautour sera riche un jour. Il faut l'aider maintenant, voyons. Tu sais bien que c'est dur en ce moment pour elle. Philippe n'a qu'à travailler un peu, il n'a jamais rien fait de ses 10 doigts. J'ai rendez-vous en Avignon, je pense, rentrer vers les 6 heures. On ne croit pas que j'abandonne, tu sais, tu ne m'auras pas. Où est Fauve? Ah, t'es pas au courant? Eric l'a invité à déjeuner chez ses parents. Tu sais, Adrien, Victor et sa femme. Elle a une cétraque, la pauvre, c'est la première fois qu'elle va les voir. Je serais pas outre mesure étonnée que cette petite en apprenne beaucoup sur sa famille juive. Monsieur Victor, j'ai beaucoup entendu parler de vous par ma grand-mère. Tiens donc. Maggie ne m'a pas oublié. Ah. Au contraire.
Elle a des tas de souvenirs de vous. Vous connaissiez bien mon père? C'est moi qui l'ai découvert. C'était un poulain de ma galerie. Votre grand-mère ne vous l'a pas dit? Non, je l'ignorais. J'aimerais bien vous parler un peu de mon père à cette époque-là. Bon, essayons. Tu disais qu'il avait une présence extraordinaire. Ça, oui. Oui, mais quand il entrait quelque part, tout le monde le regardait, surtout les femmes. Il avait beaucoup de succès. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai vu Mercues. Votre belle-mère, Kate Brunning, de son nom de jeune fille, m'a emmené chez lui dans son atelier à Montmartre, où il vivait avec Maggie. Avec elle? Papa, je te sers un peu de vin? Je revois encore Maggie, arrivant de la cuisine, pieds nus, les verres à la main. Comme cette image reste gravée en moi. Elle était si exceptionnellement belle. À l'époque, elle devait avoir votre âge, fauve. Quelle honnêteté, et avec ça si amoureuse. Elle, amoureuse de lui? Mais oui. C'est elle qui faisait bouillir la marmite en posant, avant que je m'occupe de lui et qu'il commence à vendre. Maggie et Mercus, c'est la légende de Montmartre. Ils ont vécu un bon moment ensemble, avant qu'ils rencontrent Kate. Au fait, comment va-t-elle? Très bien. Il n'est pas à votre goût, ce poisson? Oh, c'est bien sûr. Tu l'ignorais, n'est-ce pas? Quoi? Tout ça, ta grand-mère, Mercues. Je croyais naïvement que Maggie m'avait tout raconté. Tu sais, personne ne dit jamais absolument tout. Quand je pense que ma mère et ma grand-mère... Je trouve ça très romantique. L'amour qui couvre deux générations. Tu le savais, toi? Papa ne parle presque jamais de Mercues. C'est comme Maggie. Moi, c'est nouveau pour tout le monde. Si vous étiez venu il y a un an, on aurait pu entreprendre quelque chose. Mais sans garantie de succès, de toute façon. Et maintenant? Un peu tard, je le crains. Inutile de vous faire suivre un traitement pénible. Ah. Ah. Et combien de temps me reste-t-il? Un an environ. Peut-être un peu plus. Oh. Vous ne souffrirez pas. Ne dites à personne, je suis malade, docteur. Je compte sur vous, même pas ma famille. Je crois que tu as envie d'un baiser. Oh non, pas du tout. Moi aussi, tu en as envie. Je suis amoureux de toi, fauve. Et toi, tu m'aimes? Hein? Tu m'aimes? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais aimé avant toi. Je voulais vraiment pas tomber amoureuse. Eh bien, c'est trop tard, tu as raté ton coup. Je t'aime comme un fou. Je veux être près de toi toujours. Et je veux t'épouser. Eric, je suis bien trop jeune. Mais si tu peux m'attendre... Eh bien... Ça va être dur, mais j'essaierai. Oh, je n'avais pas entendu. Mais c'est fou, il y en a des bergers. Mais d'où viennent-ils? Où sont les bergers?
Elle dit qu'elle ne veut pas revenir à New York, qu'elle veut rester en France. Après tout, elle est à moitié française. Qu'est-ce que tu as contre la France, tout d'un coup? Mais je n'ai rien contre la France. C'est Mercues. Oh, quel démon, celui-là. Il nous a déjà démolis sur 2 générations, maintenant il tient fauve. Que va-t-il lui faire à elle? Maggie, que veux-tu qu'il lui arrive? Après tout, cet homme est son père, non? Et alors? Le diable a une fille, c'est tout. Depuis 8 ans, j'ai peur pour elle chaque fois qu'elle part là-bas le voir. Maggie, la liaison déchirante que tu as eue avec cet homme tourne à l'obsession maintenant. Tu as connu le paradis et aussi l'enfer avec Julien Mercues, c'est un grand artiste. Mais ce n'est ni un sorcier, ni le diable, c'est un être humain. Laisse faire, fauve. Selon toi, que me reste-t-il à faire? Tu peux peut-être m'épouser. Je te l'ai déjà demandé 100 fois, je peux essayer Darcy. Une 101e. Quelle drôle de solution. Peut-être pas la solution, mais une des solutions possibles. Je t'ai quitté une fois déjà. Je suis revenu quand tu as eu besoin de moi. Après l'accident. C'est la mort dans l'âme, Maggie. Et cette fois, adieu. C'est ma fille et elle est peintre. N'est-ce pas suffisant comme identité? C'est toi qui as tout fait pour que ça devienne une obsession. Je ne vois pas pourquoi tu es tellement bouleversé par l'intérêt que Fauve porte aux Juifs. Là n'est pas le problème. Juif, chrétien, hindou, musulman, personnellement, je m'en fous. Je te reproche d'avoir encouragé son amitié pour le petit Eric à Victor. Moi, je le trouve très séduisant, ce jeune homme. C'est cette espèce d'imbécile qui enjuivait ma fille jusqu'à la moelle. C'est sa faute si elle a laissé tomber la peinture. Ma foi, peut-être bien qu'être là-bas... Enfin, peut-être qu'être la fille adultérine de Julien Mercues, c'est pas assez pour elle. Elle a tort, bien sûr, mais... Il me semble qu'elle se cherche des racines plus profondes. Peut-être. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour Kate, je voulais te remercier de notre conversation. Tu m'as mis sur la bonne voie. Tu as bien fait de me dire que Fauve se cherchait une identité, un héritage. J'ai trouvé le moyen de lui donner tout ça. J'ai trouvé le moyen de lui faire sentir qu'elle est une vraie Mercues, jusque dans sa fibre. Hein? Tu sais que, d'après la loi française, étant une enfant adultérine, Fauve ne peut en aucun cas être une de mes héritières. Oui. Toujours selon la loi française, il paraît que c'est une complète étrangère pour moi. Oui, mais j'arrive de chez mon notaire d'Avignon, qui, lui, vient de m'apprendre que j'avais malgré tout parfaitement le droit de léguer par testament 1/3 de ma fortune à une totale étrangère. Ma fille adultérine, pas un sou, une complète étrangère, 1/3 de mes biens. Et vive les mystères de la loi. Alors, que te proposes-tu de faire? Je me propose de donner à Fauve 1/3 de ma production. Et j'entends lui en faire don maintenant, de mon vivant. Comme ça, elle comprendra pleinement de qui elle est la fille. Bien sûr, elle n'aura qu'un 1/3 d'étoile. Le reste de mes œuvres et de mes biens iront à toi et Nadine. Oh, Julien. Jusqu'à présent, tu ne m'avais jamais prise pour une imbécile. Ne me sous-estime pas maintenant. De quoi veux-tu parler? Crois-tu que je n'ai pas compris? Quelles mains, quels yeux guideront son choix? Crois-tu ta femme aveugle? Les tableaux que tu lui réserves sont forcément choisis parmi les plus belles pièces, les toiles qui atteignent les prix les plus élevés. Une fois que Fauve sera bien servi, son modeste 1/3 vaudra plus de la moitié de ce qui restera. Kate, crois-moi, cette idée ne m'a même pas effleuré. Alors, tu aurais le front de me faire ça à moi? À moi qui ai pris un inconnu pour en faire un peintre renommé Julien Mercues. Mais même si tu dois brûler en enfer pour des siècles, tu m'appartiens. Je ne suis pas ta chose. Tu es ma créature, tu entends?
Que serais-tu devenue si je n'avais pas été ta femme? Rien de rien. Un vieillard aigri réfugié dans un atelier minable, quelque part à Paris, se demandant pourquoi le monde n'est pas à ses pieds. Tu aurais loupé le coche, mon ami, et laissé la place à un peintre qui, lui, aurait eu toute la gloire. Moi, ta chose, ta créature. Pauvre Kate, tu ne comprends rien à la vie. Le génie n'appartient à personne. Le mien ne m'appartient même pas. Il me tombe dessus. Tes tableaux, c'est moi seule qui t'ai permis de les créer. Et si tu veux vraiment les offrir, sache que tu offriras la seule chose au monde qui m'appartienne. La seule chose qui n'appartienne qu'à moi et rien qu'à moi. Ça, je te l'interdis. Écoute, tu n'as vécu qu'à travers moi. Tu pensais avoir la main mise sur moi, faire de moi ta créature. C'était un mythe, ta justification. En fait, tu n'as la main mise sur personne. Toutes mes toiles sont à moi. Et pour le prouver, je n'ai qu'à aller à l'atelier et brûler toutes mes œuvres. Tu ne pourras rien faire pour m'en empêcher. Quand tu auras le cran d'accepter ça, il y aura peut-être une chance que tu sois un petit peu moins frustré. Alors, tu es vraiment tout à fait décidée à rester en France? Tu sais, j'aime la Provence. C'est une sorte de jardin secret. On sait tous qu'il existe, mais on ne le trouve jamais. J'aime ma peinture aussi. Et j'adore mon père. Et toi? Je t'appelle demain. D'accord. Assieds-toi. Fauve, j'espérais que je n'aurais jamais besoin de te révéler certaines choses, mais tu as réveillé de très anciennes et très profondes blessures chez ton père avec cette passion pour les Juifs et ton flirt avec le petit Eric Avigdor. Avec Eric? Vois-tu, une dizaine d'années avant que tu viennes au monde, la France a vécu une guerre très dure. Ce fut un enfer que tu peux pas imaginer, un enfer quotidien. Ah, tu penses que je lui rappelle plein de mauvais souvenirs? Je le crains, oui. Je le crains. Ton père a vécu la période de l'occupation avec tout ce que cela comportait. Et quand je suis revenue vivre en Provence après l'armistice, Marthe a bien dû m'avouer certaines choses. Mais jamais je n'aurais cru qu'un jour je devrais en parler à quelqu'un. Ce qu'il faut que tu saches, Fauve, c'est que pendant ces dures années d'occupation, les Allemands avaient absolument fiché tout le monde en France, même ici, à Félis. Et tous les hommes valides sont partis au STO, c'était le service de travail obligatoire en Allemagne. Oui, je sais, en classe on apprend ça. Oui. Et ton père serait parti lui aussi s'il n'avait pas été protégé par un gradé allemand, un nazi, avec lequel il s'était lié d'amitié, au point d'être de ses intimes. Je peux pas croire ça. Non, c'est bien naturel. Je sais à quel point cela peut être difficile de comprendre une chose au fond insignifiante. Insignifiante? Cet officier avait du goût pour l'art. C'est lui qui apportait à ton père le précieux matériel impossible à trouver dans le commerce. Certaines de ses plus belles œuvres datent de cette époque-là. Sans cet Allemand, le pauvre serait parti, comme tant d'autres, s'échiner dans les mines de la Ruhr. Ça suffit, taisez-vous maintenant. Mais tu dois savoir. Il faut que tu comprennes. Il est temps pour toi, Fauve, de voir en face de quelle basse servitude le génie de ton père est fait. Une fois,
Il a même été dire à son ami allemand qu'une bande de jeunes voyous lui avait volé ses draps. Il est vrai qu'à l'époque, il s'en servait comme toile. Il ignorait que ces jeunes Français avaient pris le maquis. Ce fut un terrible malentendu. Une chose qui ne se pardonnera jamais. 10 de ces hommes ont été fusillés sur place. Mais jamais ils n'auraient appris cet épouvantable drame si les Allemands n'étaient pas revenus avec les draps. J'en crois pas un mot de ce que vous racontez. Fauve. Ce n'était que pour te citer un exemple de toutes les horribles choses qui se sont passées pendant la guerre. Comme... tous ces juifs qui ont demandé à Mercuès de les cacher. Des juifs? Quels juifs? Des gens qui essayaient de quitter Paris et la France occupée pour fuir les nazis. De vieux amis de ton père, lorsqu'ils vivaient à Montmartre, ils sont venus, les uns après les autres. Ils ont sonné à sa porte, mais il n'a pas voulu répondre. Dieu que c'est difficile d'essayer d'expliquer ça à une gamine de ta génération. Comment te faire sentir le poids des choses? Attends, je peux peut-être y arriver. Le travail de ton père, voilà ce qui était en jeu. Et rien d'autre ne comptait pour lui. Vous êtes une sale menteuse. Demande à Adrien Victor si tu ne me crois pas. Excuse-moi, mais si je t'ai dit tout ça, c'est pour t'éviter de rouvrir une plaie. Fauve, je suis content que tu sois rentrée. As-tu refusé de cacher des réfugiés juifs chez toi pendant la guerre? Les as-tu laissés sonner sans même lever le petit doigt pour aller leur ouvrir? Ah, Victor. Qu'est-ce que cet imbécile t'a raconté? Alors, c'est vrai? As-tu pensé que parmi eux, beaucoup sont morts par ta faute? Tu as collaboré. Mais dis quelque chose! Fauve! Ne reste pas comme ça. Dis-moi ce qui ne va pas. Non, je t'en prie, laisse-moi t'aider. Non, Harry. Tu n'as pas confiance en moi? Tu as tort de te faire du mal. C'est trop dur d'en parler. Mais à moi. Je t'en prie, Harry, arrête, je ne peux plus. Tu as gagné. Tu répondras à mes lettres? Oui. Et attention à traverser. Fauve. N'oublie pas de m'écrire non plus, toi. Si tu avais quelques années de plus, je t'empêcherais de t'en aller. De toutes mes forces. Mais tu le sais, n'est-ce pas? Oui. En voiture, s'il vous plaît. Attention au départ. Non, non, pas. Je... Nous ne sommes jamais allés à Lunel. Non. Ne m'oublie jamais. Tu m'avais pourtant prévenu. J'ai vraiment eu tort de vouloir aller là-bas. Oh, je crois que je n'ai pas été si catégorique. Laisse-moi te regarder. Oh. Tu veux qu'on en parle? Non, Maggie. Peut-être plus tard. Je ne crois pas. Comment va Darcy? Oh, les gens disent qu'il va bien. Les gens? Je ne l'ai pas vu depuis des semaines. Et je crois que je ne la reverrai plus.
Alors, quelle école de dessin as-tu choisi? Je n'ai pas choisi d'école. C'est fini la peinture, pour toujours. Mais tu as du talent. Tout le monde le dit, même Mercuès. J'ai dit pour toujours, Magali. Je n'essaierai même pas de te faire changer d'avis. Mais que vas-tu faire? Et si je travaille à l'agence? Comme mannequin? Bien sûr que non. Je suivrai ton conseil. Mieux vaut gagner 10% sur un mannequin que d'être mannequin soi-même. Tu parles comme une vraie lunelle. Je veux que tu me prennes en stage avec toi et que tu m'apprennes tout ce que tu sais. J'en serais ravie. Monsieur Mercuès. Oh, Monsieur Mercuès, enfin vous voilà. Mais où étiez-vous passé? De quoi vous mêlez-vous? Mais c'est madame. Elle est très malade, vous savez. Quoi? Mais oui. L'heure est venue de dire adieu à notre sœur Catherine Mercuès. Nous avons le cœur bien triste aujourd'hui, mais nous vivons dans l'espoir de la retrouver à nos côtés, quand au jour du jugement dernier, nous serons à nouveau réunis au royaume des cieux. Pensons ensemble, prions ensemble. Rappelons-nous ensemble tout ce que nous avons vécu avec Catherine. Tout ce qu'elle a été pour nous et tout ce qu'elle est au regard de Dieu. Eh bien, j'ai presque fini mes valises. Je vois. En général, je comprends tout, mais là, je ne comprends pas exactement pourquoi tu t'en vas. On ne sait pas quereller, on partage la cuisine sans aucun problème et on n'en est pas à se faucher nos petits copains. Non, ça n'a rien à voir. Je suis un animal lent à se développer. Je veux dire sur le plan affectif. Il faut que j'apprenne à vivre seule. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Il faut que je m'assume, que je me prenne en main. Tu vas me manquer. Beaucoup, beaucoup. Ils sont là avec le camion. Fauve, tu ne m'as jamais dit ce qui s'était passé. Et depuis quand la cuisine est-elle ton nouveau péché, mignon? À vrai dire, ça m'est venu comme ça, tout d'un coup. Ah. Tu es ma première victime, Melvin. Après avoir été celle de ta mère? Tu as toujours su lire en moi un livre ouvert, n'est-ce pas? Là, sois gentille, explique. Ben voilà, si je t'ai attirée chez moi sous un prétexte culinaire, c'est pour que tu me parles de Teddy. Personne ne veut jamais me parler de ma mère, pas même toi. Pourquoi?
J'ai toujours cru que Maggie t'en avait parlé. Il n'y a pas de secret. Elle m'a dit l'essentiel, ce que je devais vraiment savoir. Tu sais, maintenant j'ai presque l'âge que ma mère avait quand elle est morte. On se serait bien entendu. Qu'est-ce qui comptait le plus au monde pour elle? Pourquoi ne s'est-elle pas mariée avec toi? Tu le savais, ça? Oui. Vous étiez amants? Eh bien, j'ai... J'ai été le premier à lui dire qu'elle était la plus belle. J'ai été son premier flirt. J'ai été son premier baiser. J'ai été le premier à lui faire l'amour, mais je n'ai pas été le premier à avoir le cœur brisé. Seulement, ce qu'elle voulait, c'était trouver autre chose. Est-ce qu'elle a eu beaucoup d'amants? Je te l'ai dit, elle voulait absolument autre chose. Elle essayait quelque temps, et puis quand elle se rendait compte qu'elle n'avait pas trouvé, elle cherchait ailleurs. Alors? Alors? Oui, elle a eu beaucoup d'amants. Mais elle les aimait. Bien sûr, oui. Mais quand elle ne les aimait plus, elle allait vers un nouvel ailleurs. Un jour, elle a trouvé ton père. Lui, c'était l'homme qu'elle voulait, Dieu et son âme. Pardon, j'aurais pas dû dire ça. Ça ne fait rien, je vais faire du café. Tiens, tiens, tiens. Allez, Melvin, rends-moi ça, c'est juste pour moi. Je ne vais pas me gêner pour regarder. Depuis quand tu fais ça? Mais regarde pas ça, c'est rien, allez. Mais est-ce que tu te rends compte que tu as un talent fou, petit imbécile? C'est juste des gribouillages. C'est super, oui. Mais tu veux que je me fasse? Fauve, tu devrais dire zut à l'agence et laisser parler ton talent. Non. C'est votre dîner, monsieur. Donnez-moi ce plateau. Monsieur ne sort pas de chez lui depuis des jours. Vous ne voulez pas que j'appelle le docteur Guillermet? Tous des crétins, les docteurs. Qu'ils aillent se faire voir, les docteurs. Ces cautères sont jambes de bois, ces gens-là. Fauve en retard à son propre anniversaire. C'est pas son genre, elle n'est jamais en retard. Elle aurait été retenue par son travail. Vous en voulez une? Douceur d'un soir, ce bel lendemain. La lit du ravissant. Maggie, sais-tu que Darcy... Oh, Lali, Lali. Sais-tu pourquoi tu es une véritable amie, pour ne pas dire ma meilleure amie? Parce que tu es toujours la dernière à me dire les nouvelles qui risquent de me faire du mal. Oui, je sais que Darcy sort beaucoup avec la jeune et ravissante Mademoiselle Beaumont. Je lui souhaite beaucoup de bonheur, du fond du cœur. Bonjour. Ah. Ah. Maggie, regarde ce que je t'amène. Fraîchement débarqué d'Arkansas. C'est la raison de ton retard? D'accord ou pas d'accord? Tu es pardonnée. Comment vous appelez-vous? Ada Clegg, Arkansas. C'est comme ça que je l'ai baptisée. Boirez-vous du champagne, Arkansas? Ah, franchement parler, c'est la première fois. Ah oui, madame, c'est pas de refus. Bon anniversaire, chérie. Comment trouvez-vous Arkansas? Je lui trouve un charme tout à fait arkansanien. Excuse-moi, Lali. Chérie, je suis désolée de te parler travail le jour de ton anniversaire, mais j'ai absolument besoin de Carole pendant 15 jours. Il faut que je l'envoie dans le midi de la France s'occuper de la présentation Carpello. Oh. Et pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Je soufflerai bien un peu. Ah. Qu'en penses-tu? Je vais y réfléchir. Vous avez vu, ils ont l'air drôlement gentils. N'oubliez pas si vite la réputation des Français. Je sais, des tombeurs qui vous laissent tomber. Alors on peut savoir pourquoi tu leur fais tous ces grands sourires. Français, français, c'est pas écrit sur le bout de leur nez, fauve.
Après tout, c'est peut-être des étrangers aussi. Mesdemoiselles, je vous préviens, c'est une race d'hommes à part dont le moindre geste d'amitié est suspect. Ils ont tous une vocation de séducteur. Bref, ces messieurs sont des Casanova de la pire espèce. Et personnellement, pas question de tomber dans le panneau. J'espère que cette fois, j'ai Mademoiselle. Été... Mademoiselle ben voilà, culot. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je vis ici, je te souviens bien. Et on m'a commandé un projet pour une nouvelle marina. Toi, je crois savoir ce que tu viens faire ici. Les filles, voici Erika Victor, un ami d'enfance. Enchantée, Eric. Salut. Ravi. Excusez-moi. Pourquoi tu cessais de m'écrire? Moi? Non, c'est toi. Non, ça c'est impossible. J'écrivais et je trouvais mes lettres trop bêtes et insignifiantes pour toi. Et les miennes, je les trouvais terne. Je te voyais amoureux d'une autre fille que moi et gênée d'avoir à m'en parler. Et moi, je me disais que tous les hommes de New York te faisaient la cour. J'ai dû défendre ma version fouet. Que tu étais probablement dans les bras d'un... Enfin, amoureuse d'un autre. Eh bien, non. Bah, même un petit peu. Pour moi, ça n'existe pas un petit peu en amour. Mais... Qu'as-tu fait, toi, pendant tout ce temps? Moi, j'ai tout essayé. Le travail, l'alcool, les femmes, tous les remèdes qui soignent les cœurs brisés. De quel cœur tu parles? Mais du mien. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu n'es jamais revenu. Alors, mon cœur s'est brisé. Je suis tellement bien. Où ça? Sur la Côte d'Azur? Non, dans tes bras. Le monde, c'est tes bras. Je vais te quitter, Isolie. Mais tu n'as pas à le quitter. Je te garde. Je te garde ici pour la vie. Je vais te nourrir de caviar, de champagne. Et... De quoi encore? Et... Des gaufres avec beurre fondu et confiture de fraises. Comment tu savais? J'ai ma technique. J'ai fait un plongeon dans ton subconscient pendant que tu dormais cette nuit. Et devine la découverte que j'ai faite en même temps. Laquelle? Tu as sérieusement envie de te marier avec moi? Non. Mais comment non? Nous nous aimons. Nous nous aimons déjà depuis tellement longtemps, toi et moi. Mais tu es fou, je vais pas laisser Maggie s'occuper toute seule de l'agence. Puis un mariage ne se bâtit pas en une seule nuit. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, en Avignon? Ça fait trois raisons. J'en préférais une, mais la vraie au moins. Je peux pas, c'est tout. Je t'ai aimé depuis le premier jour, moi. Et visiblement, toi, ce n'était pas le cas. Écoute, il vaut mieux que je m'en aille. Ouais, je crois aussi. Fauve! Apprends à suivre tes premiers mouvements. À laisser parler ton cœur et à faire confiance aux autres. J'ai bien essayé, Eric, mais ça ne marche pas. Un docteur. Il refuse d'en voir un. Sans vous commander, vous devriez venir. Il va bien falloir. Mais ça tombe, on ne peut plus mal. Il est probable que ce n'est rien.
mademoiselle. Mademoiselle! Mademoiselle Nadine! Oh, ce que je suis contente, mademoiselle. Donnez. Comment va-t-il? Heureusement que vous êtes venue. Oh, il a toussé toute la journée, toute la nuit. Et il ne veut plus que je monte le voir. Laisse-moi faire. Pourquoi ne m'avoir pas prévenu que tu étais malade? Ce n'est pas si grave, Nadine. On peut attraper un bon rhume sans pour autant finir entre quatre planches. Au moins, téléphone au docteur pour qu'il voit ça de près. Je ne veux pas que ces foutus docteurs me touchent avec leurs sales pattes. J'en connais bien plus en anatomie que ces messieurs de la faculté. Oh. Alors, je vais rester là, jusqu'à ce que tu ailles mieux. À ta guise, Nadine. Je vais remplir ta carafe d'eau. Je ne crois pas que notre vieux lion soit encore à l'article de la mort. Bon, vous ne savez pas, Marthe, vous allez faire un saut au marché et prendre une jolie pièce de bœuf, des anchois, enfin bref, tout ce qu'il vous faut. Et vous m'y donnerez un vrai petit régal pour notre malade. Oui, mademoiselle, la sauce sera si bonne qu'elle vous le remettra bien vite sur pied. Papa, tu vas adorer. Marthe s'est donnée un mal fou, elle a acheté une pièce de bœuf superbe qu'elle a piquée de là. Ensuite, bonne marinade, vin rouge, ail et huile d'olive. J'en veux pas de ça, Brie, pas faim. La daube, tu adorais ça, je me souviens bien. Chaque fois qu'il y en avait, Nadine, tu pourrais pas t'arrêter de papoter sans arrêt, foutre. Très bien. Je dormirai à côté cette nuit. Je laisserai la porte ouverte. Comme ça, je t'entendrai si tu as besoin de quelque chose. Nadine, aide-moi.
dire que tu n'as jamais voulu me peindre. Veuillez accepter mes sincères condoléances, madame. Merci. Maître, pourquoi désirez-vous me voir de façon si urgente ? Je croyais que vous voudriez connaître le contenu du testament de votre père. Son testament ? Il en a fait un ? Il est venu me voir il y a environ 4 ans. Il voulait mettre à profit la nouvelle loi. Expliquez-vous. Pour la première fois, une loi permet de laisser une part de sa fortune à un enfant adultérin. Et pour ce qui le concerne, il s'agit de Mademoiselle Lunel. Je n'arrive pas à y croire. C'est un leg important, madame. Je vais vous lire le testament. Non ! Le salaud ! La faite petite ordure ! Pas un franc ! Jamais ! Jamais ! Vous entendez ? Non, Mademoiselle Lunel est absente aussi. Elles sont en voyage toutes les deux. Darcy. Oh, Darcy. Je savais que tu viendrais. C'est bien normal. Bonjour. Est-ce que tu as lu le New York Times ? Non. Nous n'avons même pas répondu au téléphone aujourd'hui. Son testament est publié. Je crois qu'il faut que je vous le lise. Moi, Julien Mercues, je souhaite laisser à ma fille que j'aime et chérie de tout mon cœur, Fauve Lunel, toute la série de tableaux dite La Rouquine, ainsi que les portraits que j'ai faits d'elle et de sa mère, Théodora Lunel, qui a été la seule femme que j'ai jamais aimée. Si ma fille bien-aimée Fauve le désire, elle pourra hériter du domaine de la Tourello, ainsi que des terres. Par-dessus tout, je veux lui faire don de la série Cavaillon, que j'espère terminer avant ma mort. Grâce à Fauve, j'ai appris enfin, mais trop tard, la leçon la plus importante de ma vie. Je suis obligé, puisqu'aussi bien c'est la loi, de laisser tous mes autres biens à Madame Nadine Dalmas, qui s'empressera bien entendu de vendre sa part à seule fin de pouvoir poursuivre la vie stupide, frivole, superficielle et vaine qu'elle a choisi de mener depuis toujours. Elle récuse le testament ? En vertu de quoi ? Ce qu'on appelle inconduite notoire, paraît-il. Mon notaire vient de m'expliquer que le testament d'un père peut être cassé si l'on peut prouver que la mère avait des amants. Tu veux dire qu'elle traite ma mère de putain, c'est ça ? Peu importe ce qu'elle peut prouver ou non. En tout cas, elle traînera le nom de ta mère dans la boue. Écoutez, le testament, moi j'en ai rien à faire, mais je ne permets pas qu'on traîne ma mère dans la boue. Je fais mes valises et je pars pour la France. Fauve ? Quoi ? Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai 3 billets d'avion, là. Puisque Dieu Tout-Puissant a rappelé notre frère Julien Mercues auprès de lui, inclinons-nous devant sa volonté, rendons à la terre cette dépouille qui est née de la terre. Notre Seigneur Jésus-Christ fut le premier à ressusciter d'entre les morts, et c'est grâce à lui que notre enveloppe mortelle s'élèvera à la gauche du Père, au royaume des cieux. Nous recommandons à Dieu l'âme de notre frère, puisse notre Seigneur lui accorder la paix éternelle et lui ouvrir le royaume des cieux au jour du jugement dernier. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu, donne-lui le repos éternel, et que ta lumière descende à jamais sur lui. Puisse son âme, comme celle de tous nos chers disparus, reposer en paix. Amen. Mademoiselle Lunel, s'il vous plaît, mademoiselle Lunel, vous pouvez nous dire quelque chose. Mais qu'il voudrait que votre soeur vous prenne devant les tribunaux. Une photo, s'il vous plaît, madame. Attendez. Mademoiselle Lunel, s'il vous plaît. Ce qu'a dit la presse, est-il vrai, mademoiselle? Et faites-nous une petite déclaration, s'il vous plaît. Oh. Comment peut-on prouver ce qui n'est pas ? Même Melvin m'a dit que ma mère avait eu des tas d'amants. Oh, et puis zut. Je comprends pas, Fauve. Monsieur Avigdor, j'ai un ami notaire qui m'a expliqué la clause d'inconduite notoire, mais malheureusement, Teddy n'était pas une sainte. Est-ce que votre ami était français ? Non, américain. Ah. S'il avait été français, il vous aurait dit que ce n'est qu'au cas où Teddy aurait trompé Mercues pendant leur vie commune que la clause d'inconduite notoire pouvait jouer. Pour les Français, ce qui compte, c'est de savoir qui est le vrai père de l'enfant.
Peu importe ce que fait la mère avant ou après leur relation. Madame Lunel, vous avez dit que la mère de Fauve avait vécu ici, en Avignon. Vous vous souvenez de son adresse? Mercues? C'est un nom qui me dit quelque chose. C'est un homme politique, non? Non, c'est un peintre. Ah. Vous ne les auriez pas oubliés, grands et beaux tous les deux. Je vois vraiment personne de ce genre-là. Ça fait longtemps? Il y a au moins 20 ans. Vous auriez dû me dire ça tout de suite. Ça fait à peine 5 ans que je suis là. Bon, excusez-vous, au revoir. Au revoir. Fauve! Oh, Fauve Lunel! Bon Dieu! C'est toi, Fauve! Je devrais vous connaître. Vous ne le connaissez pas? Le docteur Beauvoir, le membre de l'Académie, Légion d'honneur et professeur à l'université, c'est quelqu'un... Vous allez me faire rougir, Anne-Marie. C'est une de mes plus grandes fans. M'en veuillez pas, mais... Tellement de vieux souvenirs, c'est moi qui trouvais un appartement ici autrefois pour vos parents. D'ailleurs, nous étions très très amis à ce moment-là. Teddy et Julien, ils étaient inséparables. Et moi, comment me connaissez-vous? Disons que je m'intéresse un peu à ce que deviennent un certain nombre de mes protégés. Vous protégez? C'est moi, chère mademoiselle, qui ai eu l'honneur de vous mettre au monde. Ma chère, encore une fois, tu défrais la chronique. Procès perdu. L'enfant de l'amour triomphe. Désormais, tout le monde est au courant. Ta chère sœur Fauve a les raisins du gâteau, dont il ne te reste que quelques petites miettes. Et on dit pique-pendre de ton attitude. Je t'avais prévenu. La princesse donne sa plus belle réception de la saison ce soir, et je suis invitée, mais seule. Si tu t'en vas maintenant, ne reviens jamais. Qu'est-ce qui pourrait bien me faire revenir, mon amour ? La princesse est extrêmement riche. Et tu n'es plus rien. Merci de toute votre aide, monsieur Victor. Mais il faut que je reparte demain pour New York. Alors, j'ai demandé au notaire de s'occuper de vendre les toiles et la maison. Vous avez sûrement envie de voir les tableaux que votre père appelait la série Cavaillon. Monsieur Victor, je sais que mon père s'est mal conduit pendant la guerre. Oh, mon enfant. Cette guerre doit rester dans mon esprit, pas dans le vôtre. Quoi qu'il ait fait ou pensé alors, personne ne dira que Julien Mercues ait aimé votre mère et qu'elle l'aimait aussi. Et il vous aimait, vous, beaucoup. La série Cavaillon, je ne la connais pas, mais il l'a peinte pour vous, Fauve. Il l'a peinte parce que vous êtes sa fille. Je sens qu'il faut que je voie ces tableaux seulement. Les experts et les inspecteurs du fisc seront sur place, ces gens-là ne me laisseront pas entrer sans vous. Je vous en prie, vous. C'est pour vous. Ravi de faire votre connaissance. Monsieur. Monsieur Avigdor. Monsieur Delage. J'ai succédé à mon très éminent collègue, monsieur Avigdor, en tant que marchand de votre père. Et voici monsieur Ribaud, du ministère des Finances. Bonjour, mademoiselle. Monsieur. Monsieur Ribaud. Merci. Eh bien, allons-y.
rose et le narcisse de Charonne, le chant des oiseaux, les cèdres du Liban. La fête de l'été, Charos, offrande des blés, des fruits au temple. La fête de l'automne, Soukos. Oh Julien, que toi tu fais ça. Toi, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Ton père a dû aller à la synagogue de Cavaillon Fauve. Il a cherché le pardon pour la paix de son âme. Avec ses moyens, lui. Sais-tu bien que tu as un œil de peintre? Maintenant, tu vas me suivre. Mets ta main sur la mienne et suis-moi comme une danseuse. Fais exactement ce que je fais. Tu vois, l'important n'est pas seulement de voir, mais aussi de sentir avec tes muscles, avec ta main. En fait, il faut sentir avec son âme. Il est important d'être fort, mais aussi de savoir relâcher la tension. Ainsi, avant même de le savoir, tu créeras de belles choses, comme de la musique. Tu n'as pas tenu ta promesse. Laquelle ? L'été de mes 16 ans, tu m'as dit que si j'avais été plus âgée, tu ne m'aurais jamais laissé partir. Ne sois pas injuste. Tu m'as laissé tomber sans la moindre explication. Quand on s'est retrouvés, je t'ai demandé de m'épouser. Et à nouveau, tu as pris la fuite. Tu es égoïste, imprévisible et cruel. Est-ce que j'ai raison de croire que ces épithètes fleuries sont une déclaration et que tu veux toujours m'épouser? Oui. Tu te rends compte? Nous aurons les premiers enfants légitimes depuis 3 générations dans ma famille. C'est un problème pour toi? Non. Je te confie un secret. Lequel? Je vais devenir peintre. Et tu es en train de croquer ma première nature morte. Merci. Que ressens-tu devant cette toile? Bien, curieusement, je me sens libérée de mon passé. Maintenant qu'elle m'appartient, oui, je me sens libre. Libre? De quoi? Jason. Pardon? C'est la première fois que tu m'appelles comme ça. Jason Darcy. Voulez-vous m'épouser? Mais Maggie, c'est si rapide, cette décision. Je ne voudrais surtout pas te brusquer, chérie. Oh,
attention, je ne te le demanderai pas deux fois. Oh, tu sais, ça demande peut-être réflexion. Écoute, je ne travaillerai plus si tu veux. Mais c'est maintenant ou jamais. Oh, non, 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 je ne veux pas d'une femme au foyer. Un avenir d'homme entretenu, ce n'est pas si mal.